Salut, c'est Alex, on va essayer Bad Guys. Pourquoi je me touche là? On va essayer Bad Guys at School pour ceux qui sont fans de Bully tout comme moi et qu'on attend Bully 2 avec impatience. J'ai vu qu'il y avait une partie multijoueur, ça j'en savais rien du tout. On va essayer la version single player, c'est un jeu qui est sorti il y a plus d'un an maintenant. Et de ce que j'ai compris sur Steam, il va se falloir, bah voilà. Faites-vous, non c'est de l'autre côté, faites-vous un nom à l'école. Les mauvais garçons vont vous aider en vous donnant 5 missions par jour. Ça c'est un mauvais garçon. Ouais, la traduction c'est approximatif parce que je suis pas allé assez à l'école non plus. Et faites attention de causer des professeurs during your mission. Il faut explorer la ville et acheter des items pour progresser dans vos missions. Trop bien. Et ouais, il y a une partie multijoueur aussi où vous pouvez soit incarner les élèves, soit également les enseignants. Ah, je vais à peine d'arriver qu'il faut déjà que je tague 5 murs. Ok, j'arrive. Le premier truc qu'ils me disent, tague les murs. Le concours du mois dernier avec Instant Gaming est terminé et c'est LBB, il a gagné Far Cry 4, donc bravo à toi. Et là, nouveau mois, nouveau concours, le lien est en description, il suffit de cliquer, d'aller ici, de mettre le jeu que vous voulez, football. Ah bah ça va pas marcher, le site aime pas football. Farming, de faire participer et à la fin du compte à rebours, vous verrez si vous avez une chance comme LBB de gagner le jeu. Instant Gaming, le site, si vous voulez acheter des jeux moins chers. Voilà, merci. Et ça, c'est le bad guys. Interact. Non, pas pour le moment. Non, bah attends, ils m'ont mis des flèches jaunes pour taguer. Et moi, le premier truc que je fais, je vais vers un mur où il n'y a pas de truc jaune. Oh, il y a des feuilles qui volent. Ouais, je me rappelle quand j'étais plus jeune à l'école, il y avait des feuilles aussi. Donc, c'est vraiment réaliste en vrai. Alors, tab pour inventory. Waouh, c'est une main. Left mouse, punch. Ouais, on dirait mon pote d'enfance Rudy. Je sais pas s'il regardera cette vidéo, il va pas trop aimer, je pense. Alors, on va taguer le mur. Oui, mince, il faut peut-être d'abord que j'aille chercher le spray, parce que je me disais que j'avais pas de spray. Comment je sais où est la salle de musique? Le mieux, je pense, c'est d'explorer. Où est la... Oh, t'es un géant, toi. Waouh. J'aimerais bien prendre le ballon. Si je peux pas prendre le ballon, je vais taper... Mais il y a toujours quelqu'un, là, j'ai envie de taper des gens. Elle est où, la salle de musique? Il fait pas une map? Si vous me donniez une map, ça serait un peu mieux, non? Oh. Bonjour. Je vous l'emprunte, je le ramène après, j'ai envie de faire des expériences avec lui. Dis-moi, elle est où la salle de musique? Quoi, tu me dis, j'entends pas très bien. Elle est à gauche, là? Si elle est pas à gauche, je te lâche dans les escaliers, mon gars. Ça, c'est des escaliers, regarde. Je te lâche, hein. Ah. Oh, c'est pas moi, c'est lui qui a glissé. Classe A. Ça ressemble pas à une salle de musique. Ah, je vais passer une heure à chercher la salle de musique. Elle est où la salle de musique? Teacher? Teacher? Waouh, la salle des profs, je crois que j'ai pas le droit d'aller dans la salle des profs. Mais en même temps, j'ai envie d'aller dans la salle des profs. Je suis allé dans la salle des profs, maman. Tu m'avais dit de pas le faire, mais tu m'avais dit de pas jouer avec un briquet non plus, je l'ai fait. Regarde où on en est arrivé. Je peux prendre des cordes. Ah ouais, mais en fait, tout ça, je mets ça dans mon inventaire. Oh, j'ai des avions en papier, trop bien. M'en fous. Je veux la salle de musique. Et c'est cru pour Spider-Man, le mec. Spider-Man. Je vais m'accrocher à mon pote Rudy. Hey Rudy, regarde, j'ai trouvé une bonne aventure comme quand on était gamin. Ouais, ça avait fait un peu la même chose. Tiens. Oh. Ça, c'est la bouffe. La bouffe, on fait pas de la musique avec de la bouffe. Enfin, je crois pas. Oh, je crois qu'il est énervé. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Je vais le dire à ta mère, je la connais. Putain, il veut pas me lâcher. Lâche-moi, je vais péter la vite. Je vais te dire que c'est toi après. Comme quand on était gamin, c'est exactement la même chose. Tu prenais tout et moi, je prenais rien. Attends, je me casse. J'avoue, je suis en train de tricher. Mozilla VPN. Non, je m'en fous, pourquoi tu me dis ça? Je cherche juste où est la classe de musique, parce que sinon je vais mettre une heure. Ah, je suis en train de me taper des pubs pendant que je regarde sur YouTube, là. Qui c'est qui met des pubs pendant les vidéos? C'est bon, j'ai trouvé. Ça vous dérange que je regarde sur Internet pour rechercher, que ça soit plus rapide? Ouh, j'avais oublié qu'il était là, lui. Alors, il faut que je rentre dans le bâtiment, je monte les escaliers, c'est en haut à droite. Pousse tout autour. Bon, déjà, faut que je trouve où sont les escaliers. Je vais regarder un autre tuto. C'est bon, je rigole. Hein. En vrai, on peut même plus faire des blagues. Donc, normalement, on a des escaliers, et après, je crois que c'est à droite, et normalement, c'est ici. Est-ce qu'il y a mon pote qui me poursuit? Non, c'était pas là, en fait. Ah, ça, c'est un piano. Donc, si un piano. Ah, ça, c'est des bombes de peinture. Et pourquoi il y aurait des bombes de peinture dans une salle de musique? Tu sais que tu peux mettre ton cartable. Tu peux mettre ton cartable par terre. Il s'en fout complètement. Spider-Man, Spider-Fumeur. Et là, je fais des dessins, c'est ça? Je vais dessiner la bombe. Je suis un tagueur professionnel. Là, franchement, on sait pas ce que c'est. Franchement, je trouve ça plutôt artistique. Je vais lui faire un bras à gauche, un bras à droite, une jambe, et voilà, c'est une bombe de peinture. Il manque la tête. C'est une bombe de peinture. Même le jeu, il dit que c'est bien. C'est lui que j'ai reproduit, c'est celui qui est super grand. Ah mais, je suis le petit pousset. Ah, je crois qu'il est... Quoi? Mais t'es qui toi? Lâche-moi, j'ai fait Naruto Run, mon gars. Mission fail. Quoi? Ah, faut que je retourne voir... Je suis désolé. Faut que je retourne voir le gars là-bas. Est-ce que j'ai encore... Ouais, j'ai encore mes bombes. Ah, je peux écrire sur le papier. Mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis en train de... Ils m'ont dit que je pouvais écrire sur le papier. Vous êtes pas prêts. Tiens. Et là, oh, je peux diriger mon avion de papier. Oh, mais non, mais je suis un génie. Coucou.
Et ça m'a servi à quoi d'écrire dans le papier juste? Et là on voit mon argent, je suis pauvre. Et un peu comme dans la vraie vie quoi, ça a pas changé de quand j'étais gamin à maintenant. Je peux récupérer mon papier? Mais qui c'est qui a écrit ça dedans? Le spray dans la... Ouais ça je m'en fous, je l'ai le spray, tu vas pas me dire ce que je dois faire déjà. J'adore les ciels bleus dans les jeux, mais là je dois avouer que c'est tellement flashy, c'est pas moi qui modifie les couleurs. Je peux m'accroupir ou pas? Ah là je suis beaucoup plus discret comme ça, surtout quand je suis caché avec les brins d'herbe. On croirait voir Ezio dans Assassin's Creed. Je suis un tagueur professionnel. C'est la première fois qu'on me félicite de faire un tag aussi à chier. Je peux... Ça, à ta place, j'éviterai de le faire, ça peut faire mal, surtout si ça te rentre dans les fesses. Vas-y, faut qu'on tague les autres, là. Je suis devenu un expert en tag, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? La prof de dessin, d'art plastique, elle serait fière de moi, regarde. J'ai absolument pas dépassé, comme disait ma prof Elsa, t'as vu? Je suis devenu malaise. Ah mais celui-là, faut que je le refasse alors. Mais non, mais faut que je refasse mon bonhomme. Pourtant, il était si bien, regardez. Personne ne saura où je suis allé. Je vais essayer de faire un beau dessin, attendez. Et voilà, c'est un bonhomme. Il faut lui faire des cheveux, mais vu que j'ai pas de cheveux, je sais pas trop comment on fait. Faut aller voir le mauvais garçon pour avoir une autre mission. Attendez, je vais ranger ça parce que je suis pas très discret. Et ça sert à quoi, ça? Je peux vraiment ligoter, genre je suis au Far West. Mais non. Et là, c'est devenu mon chien. Ah, trop bien. Ou mon chat. Vas-y, Indiana, attaque. Attaque-le, lui. Mais il sert à rien, mon chien, là. C'est pas un chien d'attaque, ça. Vas-y, je te lâche. Comment je lâche cette bouse? Lâche-le. Désolé. Attends, t'as un truc au bout du nez. C'est le meilleur jeu ever. Franchement, je m'amuse trop. Alors, ça y est, j'ai fait ta mission, tiens, interact. Utilise l'extincteur sur 5 étudiants. La couleur bleue, il entre l'eau et le ciel, franchement, j'ai les yeux qui saignent. Et lui, il va rester là tout le temps. Attendez, mais je vais faire leur job, moi, viens. Je vais t'amener là-bas. Poussez-vous, pardon, pardon, mais... Oh, je crois que je vais en envoyer plus à l'hôpital que le mec... Pardon, encore toi, Rudy, qu'est-ce que tu fais là? Comment je pose? Free hand. Ta mère. Arrête, je connais ta mère, mon gars, je la connais depuis qu'on est gamin aussi. C'est comme si c'était ma mère, mais c'est pas ma mère, hein, dégage. Voilà. Alors, respectez mon auto. T'as quoi, toi, Marcel? Non. Si je me fais choper, je suis toujours pauvre, j'ai toujours... Ah non. Quoi? New item. Mais je me fais frapper pendant que je suis en train de... Mais il était où, le skate? Il y a un skate, mais je sais pas... Mais dégage-toi. Il y a un skate, je sais pas où que c'est qu'il est. True paper, faut que je fasse un avion de papier into... dans la chambre des filles. Faut que j'écrive un truc dedans. Qu'est-ce que je peux écrire? Je sais, en fait, je vais faire un poème. Ah, mais j'ai pas beaucoup d'encre. Tu sens le... Oh, tu sens le chi. Non, je voulais écrire tu sens le chien. C'est un joli complément. Franchement, j'aime bien. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise je sens le chien. Attention, regardez comment je vise comme un artiste. Et voilà, elle va savoir et après, elle sera amoureuse de moi. Par contre, je suis toujours pauvre. Et je sais pas où il est mon skate. Ils ont montré un skate quelque part, mais c'est ça, il a popou le skateboard. Sinon, pour information, je fais beaucoup de vidéos sur la chaîne secondaire, le lien est en description. Oh, le skateboard sur la chaîne secondaire, je pense que je referai d'autres, parce que là... Ah non, ça par contre, c'est ennuyant. Je pense que je retire ce que j'ai dit, c'est pas ennuyant. Non, je veux me casser. Non, s'il te plaît. Tu veux te battre ou quoi, la table? Ouais, je pense que je ferai d'autres vidéos dessus. J'essaierai d'autres choses, enfin, si j'arrive à sortir de là. Bon, bah, force respawn. Ne regarde pas comme ça, mec. J'y peux rien, c'était comme ça. J'y peux rien, vous entendez? Comment j'utilise mon skateboard? Ah, comme ça. Et là, j'ai mon skateboard. Mais non. Oh, quoi? Yeah. En vrai, je m'amuse. C'est plutôt cool. Après, c'est pas le triple A de l'année, c'est sûr. Je peux monter dedans, du coup. Mais non, vous êtes sérieux? Hey, what's up? Ils sont sérieux? Attendez, faut que je regarde ça. On dirait les sprites de premier Mario Kart. Ouais, c'était ça, les sprites à l'époque où c'était fait avec le moteur. Comment il s'appelait? Quoi, j'ai même pas vu comment il s'est remis droit. Comment il s'appelait le moteur de la Super Nintendo qui simulait de la 3D? Là, justement, t'écrasais, ça faisait un sprite et... Quoi, il y a un trou infini? Moi, je fais le tour, mais toi, tu fais pas le tour. Mais non, on se croit dans Red Dead Redemption. Regardez Rockstar encore une fois. Et là... C'est quoi qui est tombé? Et voilà, comment on tue quelqu'un, agent 47, c'est tous les hitman que j'ai fait. Ça m'a enseigné la vie, enfin plutôt la mort, je devrais dire. Donc ça, c'est l'extérieur. Donc en fait, tous les habitants, ils sont dans l'école ou quoi? Parce que là, c'est mort un peu, non? Comment ça se passe? Là, on dirait ma première voiture que j'ai conduite, celle de ma mère, la Visa, elle était moche. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, je vous laisserai regarder. Oula, voilà, c'est comme ça qu'il faut garer une voiture. Merci maman de m'avoir appris à conduire. Merci, et salut. Si Rudy tombe sur la vidéo, il va me détester. Regarde, c'est toi et moi.